C'est ce lundi que les élèves de Corse font leur rentrée des classes, une rentrée sous le signe de l'inquiétude autour du coronavirus. Selon nos informations, certaines écoles ont refusé d'accueillir les élèves ce matin. C'est le cas de l'école de Saint-Florent. En effet, ils dénoncent un manque de moyens mis en place par l'Académie de Corse. De notre côté, nous nous sommes rendus à l'école de Pietralba, Ajaccio, où les parents étaient assez inquiets. Écoutez. Ça préoccupe un peu quand même. Hein. Oui, c'est sûr que je leur en parle. Hein, parce que j'ai deux filles, je préfère quand même qu'elles connaissent le sujet. Bien sûr qu'on angoisse. Et toi, tu es bien préparée ? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman ? Elle a dit qu'il fallait bien que je me lave les mains. Il faut beaucoup de fois, il faut que je mets beaucoup, il faut que je bois beaucoup d'eau et il faut que je mets un petit produit 4 fois. Et c'est maximum. Tout. Maximum. Et puis ce matin, il devrait aussi y avoir des enseignants et des élèves absents. En effet, malgré l'annonce il y a 2 jours du ministre de la Santé de l'activation du palier 2, la Corse a obtenu hier une dérogation afin de maintenir en confinement 14 jours, c'est-à-dire la durée de l'incubation, les personnes revenant des zones à risque et notamment d'Italie. Enfin, je vous le rappelle, pour l'heure, aucun cas positif de Covid-19 n'a été déclaré en Corse.